Si vous voulez savoir comment la perception peut jouer sur votre succès, vous voulez regarder cet épisode. Cette semaine, on parle de l'effet du réseau et comment ça influence vos clients. Mon nom est Sarah Gébert et j'accompagne les professionnels entrepreneurs pour bâtir et croître leur pratique d'affaires. Donc, si vous êtes prêt à passer à un autre niveau, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Premièrement, qu'est-ce que l'effet du réseau? L'effet du réseau, c'est la perception que le cerveau donne. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que s'il y a plusieurs personnes qui utilisent un produit ou un service, la perception que je vais avoir, c'est que c'est un bon produit ou un service. C'est ça, simplement dit, l'effet du réseau. C'est comment cette perception-là influence mon jugement et ma perception sur la qualité du produit et du service. C'est pour ça que si vous regardez sur les grandes boîtes de marketing, dans leur site web, ils ont toujours « Rejoignez notre communauté de 215 entrepreneurs en vous abonnant à notre infolettre » ou quelque chose dans le genre. Parce que s'il y a 215 entrepreneurs qui sont abonnés à l'infolettre, mais l'infolettre doit être vraiment bonne. Et l'effet du réseau, c'est ça que ça fait. C'est que ça vient jouer sur la perception. Est-ce que ça veut vraiment dire que c'est bon? Non, mais pour le cerveau, c'est pas grave. C'est pas ça l'important. C'est cette perception-là. Et ça a une influence extraordinaire sur notre succès, du bon et du moins bon. Prenons un exemple. Un entrepreneur qui a une page Facebook où il y a 12 personnes qui aiment la page. La perception automatique, c'est que ben, finalement, il ne doit pas être si bon que ça. Hein? Et de l'autre côté, il peut y avoir quelqu'un avec 12 000 personnes qui aiment la page. Ah, ben lui, il doit être vraiment meilleur. Cette perception-là, c'est ce qu'on appelle l'effet du réseau et c'est ce qui fait que les gens vont juger si vous êtes le professionnel de confiance que je devrais apprendre ou je devrais aller voir ailleurs. La beauté là-dedans, c'est quand on le sait comment que le cerveau fonctionne, on peut travailler avec. Donc maintenant, c'est à votre tour de travailler avec. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Premièrement, regardez votre présence dans les médias sociaux. Est-ce que vous avez une page Facebook qui a 12 personnes qui aiment et vous avez 14 personnes dans mon LinkedIn et votre Twitter, bien dans le fond, vous êtes suivi par 2 personnes? Automatiquement, les gens vont juger. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez être partout, au contraire. Choisissez la bonne plateforme et vraiment bâtissez votre réseau parce que l'effet du réseau, c'est ça, c'est la perception que je vais avoir du service que vous offrez. Une fois que j'ai fait le tour de mes médias sociaux, je vais regarder également ma réputation sur Google. Si je n'ai pas de résultats quand les gens tapent mon nom, mais encore là, ça vient jouer sur l'effet du réseau et la crédibilité. Donc, est-ce que vous devriez être plus présent ou comment est-ce que vous pourriez justement influencer votre réputation sur Google pour que quand que les gens vous cherchent dans l'engin de recherche, il y a des résultats qui vont faire comme « Oh wow! » Vraiment, c'est une personne qui est présente et bon, mais ça doit avoir de l'allure, ça doit être la bonne personne que je vais aller chercher. Puis aussi, considérez regarder toutes vos pièces marketing. Est-ce que vous avez des témoignages clients? Ce que fait Amazon, c'est les preuves sociales. C'est les faits que les gens qui ont dit « Ah oui, ce produit-là était bon. » Donc, s'il y a plein de gens qui disent que le produit est bon, mais je vais aller l'acheter. Ils ont su prendre avantage de l'effet du réseau pour influencer leurs clients et leurs clients potentiels. C'est la même chose pour nous. Donc, si je n'ai pas de témoignage client, que ce soit sur mon site web, sur ma brochure, sur même dans mes profils de médias sociaux, mais ça peut laisser un doute aux gens, consciemment ou inconsciemment. Donc, comment est-ce que vous pourriez mettre des histoires de vos clients, que ce soit des études de cas, que ce soit des témoignages de vos clients dans vos pièces marketing pour que justement l'effet du réseau puisse prendre son ampleur dans le cerveau de l'autre personne qui devrait peut-être vous choisir parce que vous êtes le meilleur des meilleurs. Donc, voilà, c'est simple. Comme je dis, quand le cerveau, on sait comment ça fonctionne, on veut juste le prendre à notre avantage et travailler avec le cerveau. Donc, regardez votre présence web, votre présence sur les médias sociaux, tous vos documents marketing. Quelle perception que ça donne? Est-ce que ça donne que oui, il y a plein de gens, pas nécessairement énormes, vous n'avez pas besoin d'avoir
350 000 personnes sur votre page Facebook. Mais il faut qu'il y ait quand même un nombre critique pour donner la perception que vous apportez de la valeur et que vous êtes le meilleur service, le meilleur professionnel que je devrais aller choisir. Voilà, une capsule hyper simple. Quand le cerveau, on sait comment ça fonctionne, on le prend à notre avantage. On travaille avec le cerveau. Maintenant, vous comprenez comment l'effet du réseau influence vos clients, clients potentiels et centres d'influence. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour justement aller travailler avec ça et démontrer votre qualité, votre professionnalisme, votre expertise et que vous êtes la personne de confiance que je devrais aller choisir. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous cherchez plus de ressources pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, venez nous rejoindre dans notre blog stratégiste.cc. Venez rejoindre la communauté d'entrepreneurs qui ont décidé que le statu quo, c'était pas pour eux. Puis si vous êtes ici aujourd'hui, bien, j'ai pas mal le feeling que vous êtes une de ces personnes-là. À tous les mois, je partage un article, que ce soit des stratégies de développement d'affaires ou des stratégies justement pour mieux structurer votre business pour être capable de l'amener à un autre niveau. Et j'y partage un truc de pro. Donc, ça peut être un outil, une ressource, une technique, quelque chose que j'utilise moi-même dans ma pratique, que vous pouvez mettre en place maintenant. Donc, venez nous rejoindre. Et maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Faites l'évaluation de la perception que les gens voient. Comprenez l'effet du réseautage et passez à l'action dans votre entreprise. Merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit mardi prochain. Alarme pic! Si vous voulez savoir comment la perception joue pour ça... Cette semaine, on parle du réseau. De l'effet du réseau.